Coucou mes précieux, mes précieuses, je ne vais pas être très longue aujourd'hui, je suis de passage. Je voudrais parler de la prévention. Je suis Madame Kienfax, ça fait longtemps, je n'ai pas fait de vidéo. Et vous savez déjà, je suis la garante de la santé. Alors, je fais donc cette vidéo aujourd'hui pour vous rappeler pourquoi il faut prévenir. Pourquoi je dis qu'il faut prévenir. Il faut prévenir parce que on ne sera pas à l'abri de la mort, ni des maladies, certaines maladies, mais on sera à l'abri de la destruction de nos organes. Alors, lorsque je dis qu'il faut prévenir, ça semble bizarre. Les gens disent, tu fais du bon travail, mais les gens n'appliquent pas. Appliquez ce que vous êtes en train d'encourager, appliquez, c'est important. Lorsque tu bois ton eau chaude le matin et le soir avant de dormir, ce qui t'arrive, c'est que tu gardes une bonne forme. Tu es fraîche. Tu peux aller aux toilettes sans souffrir. Ton foie est nettoyé. Ton rein est nettoyé. Tu es à l'abri des calculs rénaux. Tu es à l'abri des maux d'estomac. OK? Maintenant, on va parler de la prévention banale, primaire. Laver les mains. Laver les mains. Laver les fruits avant de les consommer. Laver les légumes avant de manger. Laver les mains après être allé aux toilettes. Laver les mains lorsque vous touchez à la saleté. Regardez en Afrique. Dès qu'une personne t'appelle, allô, j'ai la fièvre typhoïde. Pourquoi il y a trop de fièvre typhoïde? Oui, les gens vont me dire que l'eau n'est pas bonne. Je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que si l'eau n'est pas bonne, vous ne pouvez pas faire quelque chose? Vous pouvez faire quelque chose. Lavez-vous les mains, ok? Après être allé aux toilettes. Laver les fruits avant de les manger. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Faites bouillir de l'eau. Puisez l'eau. Faites bouillir de l'eau. Une bouilloire vous coûterait 7 000 francs. Je ne sais pas quel est le prix au Cameroun. Et vous serez en santé. Faites bouillir de l'eau et mettez dans les bidons. Faites bouillir de l'eau, laissez refroidir et buvez. Vous serez à l'abri de tout ça. La fièvre typhoïde, c'est quoi? C'est une infection bactérienne. Et tellement c'est répandu que le bactérien lui-même, il devient tellement résistant. Les antibiotiques ne soignent plus. Il faut des antibiotiques forts. Et je ne suis pas sûre que vous êtes fier de boire un antibiotique, ça ne donne pas. Vous buvez le deuxième, vous buvez le troisième. Vous êtes en train de détruire votre rein par la même occasion. Donc prévenez. De la même façon que si vous n'avez appliqué pas les simples règles d'hygiène, vous allez avoir la dysenterie amibienne. Vous allez avoir les amibes. Vous allez avoir les levures. Vous allez avoir les levures. La dysenterie amibienne, c'est quoi? La transmission est oro-buccale. Ça veut dire que tu pars aux toilettes, tu te nettoies les fesses, tu ne nettoies pas, tu ne te laves pas les mains après, tu chopes la dysenterie. Oui, c'est simple. Donc prévenez, prévenez pour votre bien-être. J'ai pris le cas, par exemple, de l'hygiène, quelque chose qu'on ne devrait pas dire. Mais des personnes n'appliquent pas et ce qui arrive, arrive. Faites bouillir de l'eau sale avant de boire, il n'y a pas de problème. Nous-mêmes qui sommes en Europe, nous ne sommes pas à l'abri. Parce que l'eau calcaire qui sort des robinets, c'est horrible. Parfois, tu ouvres l'eau, ça sort aussi rouge. Oui, ça existe en Europe. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Faites prévenir. Mettez tous les mesures en jeu. Apprenez à vos enfants à laver les mains. Apprenez à vos enfants à laver les fruits avant de les manger. Vous êtes dans une zone polluée, ok, essayez de vous couvrir le nez pour que la poussière n'entre pas. Prévenez, mangez les légumes et les fruits, pourquoi? Parce que ça contient des antioxydants, ça contient de la vitamine C qui renforce votre système immunitaire. Parce que ça contient des antioxydants qui vous éliminent des radicaux libres et vous rend toujours jeune et jolie comme je suis là. Parce que je sais que je suis jolie, vous n'avez même pas besoin de me dire merci déjà. Pour ceux qui vont me dire en commentaire que je suis jolie. Même sans mes perruques, que je suis très jolie. Donc, c'est pour ça que vous devez consommer les fruits et les légumes. Les radicaux libres, dont les antioxydants dans les fruits et légumes, contribuent au vieillissement précoce. Et j'appelle alors à tous ceux qui mettent une chance sur leur peau que plus vous absorbez le plomb, le mercure, tous ces métaux lourds, plus vous aurez l'ostéoporose à la longue, et vous allez vite vieillir, votre peau va devenir tendre comme c'était le chewing-gum. Ok? Prévenez, c'est important.
tous les organes, tout est lié dans le corps. J'ai fait par exemple une vidéo là, de direct sur les règles douloureuses. Le simple fait que tu sois stressé, ça produit la prostaglandine, le cortisol. Le cortisol active la prostaglandine. La prostaglandine, c'est une hormone pro-inflammatoire. Imagine-toi que quand ça produit, tu crois que ça passe seulement sur une seule place. Non, ça agit sur tout le corps. Au niveau de l'utérus, au niveau du foie, au niveau du rein, au niveau de... Tu vas même avoir les crampes abdominales. Ok? Donc tout est lié dans le corps. Et c'est question d'équilibre. Question d'équilibre. En une seule vidéo, je ne peux pas dire comment il faut prévenir. Mais je suis chaque fois en train de rappeler les mêmes choses pour vous faire comprendre combien c'est important de prévenir. Même les démences, la maladie du troisième âge, c'est toujours parce qu'on ne prévient pas, on a une mauvaise hygiène de vie. On consomme trop gras, on est obèse, on a les maladies, on a tellement de maladies que ça consomme les ressources de notre corps, ça détruit nos cellules. Et si ça détruit déjà les cellules du cerveau, on sait ce qui nous attend. Donc mes précieux, je compte sur vous. Prévenez, santé, prévention, nous allons sauver une vie ensemble. C'était Madame Kenfa, vous savez combien je vous aime. Merci pour votre soutien. Partagez. Si tu as liké cette vidéo, partage. Partage, prévenons. Prenons soin de notre santé. C'est la priorité. Bisous.